Donc c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet, scalper l'USD Japanese Yen avec la stratégie 1 minute Brex. Et je suis Pascal Hirtz et je vais vous montrer tout de suite l'agenda de la présentation. Donc, première question, on va s'intéresser un tout petit peu à... au dollar yen, on peut aussi appeler ça le dollar yen, hein, l'US dollar, Japanese yen ou alors le dollar yen. Et je vais vous montrer une petite statistique intéressante sur la volatilité de ce contrat à travers la journée. Et puis ensuite, on passera donc à la stratégie en elle-même. Et pour cela, je vous rappellerai juste les fondements de la stratégie, pourquoi on a développé cette stratégie. Et puis, je donnerai plus d'informations sur la stratégie en question. Et cette stratégie, j'aime bien en fait la combiner avec la notion de programme d'entraînement. Donc, je vous expliquerai de quoi en retourne. Et au bout du compte, je montrerai pendant une dizaine de minutes, je pense, un exemple de trading concret à l'aide d'un fichier playback. Et ça nous fera l'occasion de rejouer un match sur ce contrat, le dollar yen. Alors, pourquoi traiter le dollar yen? Je dirais que, déjà la première chose, ça représente quand même la troisième économie mondiale, le Japon. Donc, on a les USA, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France qui doit suivre pas loin avec la Grande-Bretagne. Donc, l'Amérique, le Japon, l'USD, Japanese Yen, ça transcrit un petit peu le rapport de, je dirais, un petit peu de force entre les deux économies. Et quand on regarde comme ça sur, là je vous ai indiqué un graphe journalier depuis le mois de janvier 2016, hein, on voit en bas là 15 janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quasiment 2 ans, on voit que la volatilité a baissé. Mais néanmoins, le marché continuait de faire on va dire des oscillations. Là, on est sur une échelle journalière. Donc, vous voyez, en 2016, ce marché, il avait bougé de 19% à l'intérieur de l'année. Donc, une période de baisse et puis une période de hausse. Il avait pratiquement rattrapé tout ce qu'il avait perdu. Et ça faisait 19%. Donc, c'est quand même c'était une volatilité assez intéressante. Et cette année, durant l'année 2017, on voit qu'entre le plus haut de l'année et le plus bas de l'année, que l'on a touché plusieurs fois, on voit que la variation n'est que de 9%. Oui. Alors, et on se trouve en ce moment, hein, en fait, ces lignes rouges, elles définissent en fait un range, et on se retrouve en ce moment en plein au milieu de ce range. Donc, on est vraiment au milieu du range de l'année 2017, quoi. Pas de tendance, on part latéralement, on fait des oscillations. Mais puisque nous travaillons dans une optique de scalping, le fait d'avoir peu de volatilité au niveau comme ça de la journée n'est pas un trop grand problème pour nous, comme on va le montrer tout de suite. Alors, une autre information intéressante, c'est là, je tire sur le côté gauche, j'ai en fait pris quelques petites copies de valeurs de volatilité. Donc, quand on parle de volatilité, ici, on entend 20 jours, l'ATR sur 20 jours exprimé en pourcentage. Donc, un USD Japanese Yen, ça bouge en moyenne de 0,55% par jour. Alors, c'est intéressant de comparer ça aux indices. Alors, vous voyez, chose assez intéressante, que le plus haut dans la liste, c'est Japan 225, c'est-à-dire c'est le Nikkei, avec 1,58%. Et vous avez ensuite l'argent avec 1,45%. Donc l'argent, quand même, un contrat intéressant à trader à cause de sa volatilité. Et puis vous avez le France 40 qui est plus volatile même que le Germany 30. Et beaucoup plus bas, vous avez le Wall Street, donc ça veut dire le Dow Jones, etc., quoi. Donc l'USD Japanese Yen, une volatilité... on va dire historiquement faible, mais pas plus faible que les autres. Les autres sont aussi faibles.
Mais on va voir qu'à l'échelle de la journée, à l'intérieur d'une journée, il y a des tendances et il y a matière à faire du trading sous forme de scalping. Alors, ce résultat-là qu'on voit ici, c'est en fait le résultat du screener volatilité et tendance qui a été rajouté dans la plateforme il y a dans les 2-3 semaines passées. Je vais juste montrer. Voilà. Dans la plateforme, je glisse la plateforme sur le côté, vous voyez. Et puis je montre dans l'espace, dans la barre espace de travail, vous avez dans la catégorie ici screener, vous avez en fait des screeners, pardon, et là vous voyez en fait volatilité et tendance. Et en fait, ces résultats sur le côté sont tirés de ce screener en particulier. Donc, quelque chose d'intéressant pour vous, si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Ça vous indique un petit peu qu'est-ce qui est intéressant à trader, quoi. Alors, on continue. Alors, voilà le résultat que je voulais vous montrer. Le titre, l'USD Japanese Yen, est plus volatile entre 14 et 18 heures. Alors, ça résulte en fait d'un indicateur technique que j'ai fabriqué et qui n'est pas encore public, mais qui, je pense, on le rajoutera en 2018. En gros, qu'est-ce que ça fait? On précise le nombre de jours, là en l'occurrence 150 jours, et puis on regarde en fait heure par heure. Donc ici on a 23 heures, 0 heure du matin. Hein. Le Nikkei il ouvre à 0 heure du matin. notre heure à nous, heure on va dire de Paris, de Luxembourg, de Genève, de Bruxelles. 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Et là, sur le côté, vous avez en fait la volatilité. Donc, ce niveau, par exemple, à 2 h du matin, c'est 0,14% de volatilité. Donc, 0,14% pour un contrat qui, sur la journée, fait 0,55%. Ouais. On voit que, en tout cas, le matin asiatique, le matin japonais, c'est plus volatile que l'après-midi japonais. Et le matin européen, c'est pratiquement aussi volatile que le matin japonais. Mais quand même, le matin américain est beaucoup plus volatile que tout le reste de la journée. Donc, quand on veut trader en fait l'USD Japanese Yen, le mieux, selon les statistiques du moment, c'est de travailler l'après-midi. Vous voyez, ça c'est un résultat très intéressant. J'espère que vous trouvez ça intéressant. C'est donc la volatilité horaire exprimée en pourcentage sur les 150 derniers jours. Bien sûr, le soir, ça faiblit. La soirée américaine, ça faiblit. Mais là, clairement, on est quasiment dans chacune des heures, 14h, 15h, 16h, 17h, on est quasiment supérieur à n'importe quelle autre période de la journée. Voilà. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à poser vos questions le long du chemin. Donc, on va attaquer maintenant la stratégie. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes en période de faible volatilité historique. Donc, quand il y a peu de volatilité, une technique pour s'adapter à ce genre de conditions, bah, c'est de descendre au niveau des agrégations horaires, c'est de descendre dans le monde du plus petit. Et donc, en l'occurrence, s'adonner à ce qu'on appelle le scalping, c'est-à-dire trader sur des petits intervalles de temps, quoi. Alors, cette stratégie, la stratégie qui s'appelle donc une minute breaks, elle est destinée justement aux scalpers. Et elle est toute prête, on l'applique sur son contrat et on peut commencer à trader. On travaille avec cette stratégie en mode discrétionnaire, c'est-à-dire on n'est pas dans une optique de trading automatique systématique.
On est dans une optique de trading manuel. Le trader décide, est-ce qu'il place un ordre, est-ce qu'il ne place pas d'ordre. Comme vous l'avez vu dans le graphique précédent, si l'Amérique ou si l'USD Japanese Yen bouge très régulièrement, le plus entre 14h et 18h, eh bien, on peut tout à fait imaginer de se dire, bon, peut-être 14 heures on évite parce qu'il y a le chiffre économique, c'est un petit peu aléatoire. Et on s'y met à partir de 15 heures, 15 heures, 16 heures, et puis à la fin des 16 heures, on arrête parce qu'on aurait été dans les 2 heures les plus volatiles de la journée. Donc, en 2 heures, on peut tout à fait faire du trading dans de bonnes conditions avec une stratégie comme celle-ci. Alors, le graphique à la base, c'est un graphique d'une minute. C'est pour ça qu'on appelle la stratégie une minute. Et en une minute, on a la possibilité de voir des tendances qu'on ne verrait peut-être pas sur du 30 minutes. Oui. Donc, ça, c'est l'avantage de descendre dans des échelles de temps plus petites. Il y a beaucoup de signaux, comme je vais vous le montrer tout de suite. Et on rentre principalement sur la base de cassures. Différents types de cassures. Cassure, ça s'appelle breaks en anglais, d'où le nom de la stratégie. Une minute breaks. On fonctionne avec des fils de tendance, on fonctionne avec des signaux. Ça s'applique à tous les instruments. Cette année, on a fait au moins, je sais pas, 6-7 fois la présentation. Presque tous les mois, on l'a fait. Et puis, on l'a fait sur des instruments différents. Le DAX, l'euro GBP, le GBP USD, le CAC, etc. On peut faire ça sur tous les instruments. Alors, plus précisément, de quoi parle-t-on au niveau de cette stratégie? Alors, la première chose à savoir, c'est que cette stratégie emploie un indicateur qu'on appelle le supertrend. Le supertrend, c'est un indicateur fabriqué par Olivier Seban, un trader français, il y a longtemps. Il y a une quinzaine d'années. Et cet indicateur que l'on voit devant nous sur l'écran, il est représenté par une courbe. Donc à un moment donné, il y a toujours une courbe. Quand le marché est à la baisse, comme sur la partie gauche de du graphique, la courbe est au-dessus du graphique. Ce qui nous intéresse ici, c'est le prix de clôture. Donc le prix de clôture, on peut dire qu'il est toujours en dessous. Et donc, le marché est baissier. Par contre, ici, exactement à cette bougie, vous voyez que le prix de clôture clôture au-dessus de la courbe du supertrend. Et de ce fait, on assiste ici à un changement de tendance, un renversement. Et maintenant, par la suite, nous avons une montée du marché. Et la courbe du supertrend se trouve maintenant verte et en dessous des bougies. Donc, cette indicateur est fondamental pour nous. Pourquoi? Parce qu'il va nous indiquer la direction dans laquelle trader, premièrement, et deuxièmement, il va filtrer les signaux, c'est-à-dire il nous montrera que les signaux qui sont intéressants pour nous, qui sont dans le sens de la tendance telle que lui l'a définie. Et nous, de façon disciplinée, on suivra l'indication de la tendance telle qu'elle est spécifiée par le supertrend. Cette tendance, dans le graphique, lorsqu'on charge la stratégie, et on va faire ça dans 5-10 minutes, cette tendance ou ce supertrend, on le voit dans cette sous-fenêtre, on appelle ça une sous-fenêtre. Et ce que l'on va faire pour nous donner un avantage, c'est qu'on va agréger cette courbe supertrend de manière à ce qu'en réalité, l'indication de la tendance nous soit donnée en fait non pas par le supertrend appliqué sur le chart de 1 minute, mais appliqué sur le chart de 10 minutes. Donc on utilise une fonctionnalité remarquable de la nano, là, ici, en faisant 10 fois 1 minute. Donc maintenant, forcément, 10 fois 1 minute, ben, grosso modo, chaque bougie ici représente 10 bougies. Et en fait, en haut, dans le graphique principal, on voit la relation entre ces bougies agrégées et les 10 bougies. Alors,
à la le début de chaque bougie. Par exemple, cette bougie rouge ici, en fait, elle débute par la bougie qui est marquée d'un fond d'écran un petit peu plus rosé ici. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, à la clôture, on a une certaine situation. Et tant qu'on reste en dessous de du super train, eh bien, la tendance se poursuit. Et une fois qu'on a réglé le positionnement un petit peu de notre super train, notamment avec le paramètre numéro 2 ici, je vous montrerai ça après, eh bien, grosso modo, on n'a plus besoin de voir le bas et on est parti. Donc, on fonctionne avec une indication de tendance basée sur une échelle plus grande. Ça, c'est très important pour filtrer au plus possible, mais aussi pour avoir une tendance qui soit plus fiable, tout simplement. Alors, ensuite, on se base tout simplement sur des signaux. Et on utilise pour ça un signal qui est très apprécié chez nous et chez nos clients. C'est le tree line break, qui est représenté sur la gauche ici par cette bande rouge, qui définit grosso modo ou qui accompagne le mouvement du marché à la baisse et qui définit en même temps un range. Et ce range, c'est en fait l'épaisseur de la bande. Donc la bande ici a une courbe supérieure et puis une courbe inférieure. Donc lorsque le marché réalise des plus bas, et on raisonne ici au niveau du prix de clôture, eh bien la bande du tree line break descend petit à petit. Et quand le marché clôture à l'extérieur par du bas vers le haut, eh bien on parle alors d'un retournement de tendance. Et ce retournement de tendance, il est marqué par une coloration grise du fond d'écran au niveau de la bougie qui marque le retournement de tendance. Et ouais, la petite flèche qui indique que c'est un signal à la hausse, quoi. Donc ça, c'est un signal à la hausse. Et si le signal est bon, si le marché va effectivement dans ce sens, ben, on va se retrouver avec une bande verte qui va se développer jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du mouvement. Ça, c'est signal numéro 1. Signal numéro 2, on est toujours avec le tree line break. On est dans le mouvement qui suit. Et maintenant, on assiste à des cassures successives qui entraînent une prolongation du mouvement. Et donc le mouvement s'accélère ou se stabilise ici, reprend, etc. Donc il y a la possibilité de se faire prévenir lorsqu'il y a des nouveaux plus hauts. Et ce sont en l'occurrence des signaux sur lesquels on peut s'appuyer selon les circonstances pour rentrer en position. Un troisième type de signal, c'est ici ce qu'on appelle ici le rejet des cours. On s'intéresse ici au tree line break, c'est-à-dire à la bande. Et vous verrez après, quand je vous montrerai le graphique, que lorsque l'on a une bande comme ça et que le marché part latéralement, on peut aussi, dans certaines circonstances, décider de jouer un petit peu sur, on va dire, d'appliquer un raisonnement de stratégie en situation de range. En situation de range, on vend en haut du range, on achète en bas du range. Ici, on voit par le fond d'écran rosé que on est dans une situation de marché à la baisse. Donc ici, ça sera plutôt vendre en haut du range à la baisse. Donc ça peut être une possibilité de se baser un petit peu sur ce haut du range. Et notamment lorsqu'on a une belle bougie comme ça, c'est un doji, mais c'est un doji qui marque la fin d'un petit mouvement haussier avec un rejet important. Hein, vous voyez la taille des bougies. Ça, c'est quand même assez important. Et on repart un petit peu vers le bas. Donc on peut imaginer ici de rentrer moins 1, vous voyez, moins 1 short. Donc ça, c'est une troisième possibilité. Alors, il y a une quatrième possibilité. Et cette possibilité, c'est littéralement, là, on regarde un petit peu le positionnement des cours par rapport à la courbe du super train. Donc la courbe du super train, elle est projetée dans le graphique principal. C'est ça.
L'épaisseur que l'on voit ici correspond en fait à une fois l'ATR. Donc, si une bougie en moyenne a telle taille, telle épaisseur, ben, grosso modo, cette bande aura l'épaisseur de, on va dire, de la volatilité d'un ATR. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que le marché dépasse, casse, on va dire, la résistance que constitue la courbe du supertrend, mais le marché est repoussé. Il est repoussé à ce niveau de prix et on re-rentre en dessous et observez que le début des 10 bougies avec le fond d'écran là, gris, rosé, ça commence ici. Donc 1, 2, 3, 4, on est à la quatrième bougie. Hein. Donc si on avait clôturé en haut, on serait passé en situation d'achat, de chercher des signaux d'achat. Alors tout notre raisonnement tomberait à l'eau. Mais ici, on est en situation de vouloir chercher des signaux à la baisse et on a ce mouvement qui vient dépasser et qui est rejeté brutalement. Et donc ça, en soi, ça peut constituer un signal. Et en l'occurrence, ici, un signal de vente. Vous voyez? Et vous voyez que d'ailleurs, il est suivi d'un signal au niveau du trail and break, puisqu'on a le changement de couleur ici. Mais alors, dans ce cas, c'est à la clôture ici. Alors que là, on pourrait rentrer directement ici, plus haut, quoi. Donc ça, c'est un petit peu, là maintenant, la théorie. Quatre types de signaux. Un concept de filtre de tendance. Donc maintenant, on va s'intéresser à la pratique. Alors, touchons un mot sur cette notion de programme d'entraînement. Ok. Avant cela, je vais peut-être je vous montre la stratégie. Alors, ce que je vais faire, c'est j'affiche ici l'USD Japanese Yen. Donc l'USD Japanese Yen, et je vais un petit peu juste me balader. Alors là, vous voyez au niveau des heures, là on a un chart d'une minute. Donc il y a beaucoup de bougies. On va se positionner un petit peu sur la nuit. Donc la nuit, voilà. Donc vous voyez, alors quand vous voyez du bleu comme ça, un fond un petit peu bleu, c'est un filtre flat, c'est-à-dire que, ou plutôt un bloqueur, excusez-moi, c'est un bloqueur, c'est-à-dire que la nano constate que la volatilité est assez faible, alors elle colore en bleuté, et en fait, ça vous indique juste que, bon, il faut vous méfier un petit peu au niveau de l'échelle, etc., de ne pas trop vous lancer là-dedans, parce que c'est sûrement pas très volatile, quoi. Alors ici, on voit très bien ce dont on parlait avant, c'est-à-dire, vous voyez ici, je vous avais indiqué avant qu'il y avait en dessous une sous-fenêtre. Cette sous-fenêtre, c'est en fait le marché en question avec la courbe du supertrend. Oui. Courbe du supertrend, elle est en fait projetée. Elle est projetée dans le graphique principal qui est celui-ci. Il est en une minute, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et on a le trail and break qui montre les mouvements, mouvement à la hausse, renversement, mouvement à la baisse, rebond à la baisse, à la hausse, à la hausse, à la baisse, etc. Donc, dans la nuit, on a vu que en termes de volatilité, c'était pas le mieux, ni le matin français, enfin européen. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on est en période de range et de range latéral sans qu'il y ait beaucoup de mouvement. Dans ce genre de situation, c'est difficile de trader et il y a de fortes chances qu'on se fasse tuer. Donc, il faut être discipliné. Bon, maintenant, je ne pense pas que vous allez vous lever à 3 heures du matin pour trader ça. Donc, c'est mieux de trader lorsque le marché est le plus volatile, c'est-à-dire l'après-midi. Mais maintenant, comme je montre un petit peu ce qui se passe, je voudrais montrer un réglage ici. Ce réglage, je vais le faire apparaître. En fait, il est en bas, quoi. Donc, le réglage, là, c'est ça. Ça, c'est
un facteur qui éloigne plus ou moins la courbe du supertrend. Donc, quand je l'éloigne ici, voyez ce qui se passe. Donc, si je l'éloigne, je le mets par exemple sur 3. Dans ce cas-là, on a une appréciation de la tendance qui est, appelons ça, qui est un peu grossière, parce que nous, on travaille quand même dans du 1 minute. Alors vous voyez que certes, ça c'est plutôt la hausse et ça c'est plutôt la baisse, mais quand même, c'est quand même assez grossier, quoi. Donc, un des réglages à faire, c'est en fait d'ajuster cette courbe pour que elle vienne un petit peu s'appuyer. Et cette courbe, en fait, le bon ajustement, c'est fonction en fait de la volatilité. Or, la volatilité, elle ne change pas tellement. Donc, dans la période actuelle, par exemple, moi, je règle régulièrement sur 0,6. Même pour un Nasdaq, je règle sur 0,6. Donc, ça, c'est un petit peu à ajuster avec le temps. Mais ici, c'est un petit peu comme ça qu'il faut faire. Et là, on est littéralement dans un range. Donc, ce n'est pas le meilleur moment de trader. Pour parler un petit peu des signaux que j'ai définis avant, ça, c'est un signal. Vous voyez, le fond d'écran gris, on est dans une phase haussière. Hop, on sort de de ce range vert. On a un signal. Donc ça, c'est par exemple un bon signal. Ici, on a un petit peu un concept qu'on a vu avant, c'est-à-dire on sort du super train, mais on re-rentre avec une bougie quand même assez forte. Donc là, c'est un bon signal d'entrée à la baisse. Ouais. J'ai parlé sinon de quand on rebondit un petit peu contre la. Et d'une certaine manière, quand on voit ça, vous voyez. Le marché, tac, 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 vient buter un peu sur cette bande. Il est repoussé. Ça pourrait constituer en fait un signal de vente aussi, cette figure-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Ben là, on clôture au-dessus. Comme on clôture au-dessus, eh ben, ça devient vert. Donc, le passage maintenant est vert. Donc là, on doit s'orienter plutôt dans une optique de hausse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On rebondit. Donc là, on pourrait imaginer de rentrer à la hausse. Oui, ici, pourquoi? Parce que le fond d'écran est vert, on pénètre à l'intérieur, on n'est pas repoussé immédiatement, mais 4 minutes après, on est quand même repoussé fortement. Donc, bon, après, est-ce que le marché il a monté ou pas? On est à 4 heures du matin, rappelez-vous, hein. Mais bon, il a quand même un petit peu monté, donc c'était quand même pas un mauvais signal. Seulement, il n'y a pas beaucoup de potentiel, quoi, etc. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en retourne avec cette question des fichiers playback. Puis après, on retournera sur l'USD Japanese Yen et on lancera un fichier playback pour rejouer la journée on va dire les journées passées. Alors, regardons quelle heure il est. 18h31, on est dans les temps. Donc, on arrive grosso modo avec la nano à enregistrer les fichiers de cotation. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment on fait. On ouvre par exemple, on va le faire avec l'euro USD. On met euro USD ici. Alors, je mets par exemple, bon, moi, je mets ma propre étude, qu'importe. Donc, on va dire que. Alors, ça vient ou pas? Bon, je suis dans une pièce isolée ici. Sinon, je vais peut-être récupérer le USD Japanese Yen, qui normalement est déjà chargé, quoi. Donc. J'ai l'impression que je suis. Ah!
Ah, finalement, il est quand même arrivé, quoi. Ok, chargement de données en cours. Bon, je ne suis pas dans la meilleure partie peut-être du bureau, mais toujours est-il que ici, vous avez en fait un bouton. Et convertir le zoom au playback. Donc ici, on a par exemple la journée du 20, du 21 et du 22. Et là, dans la bande bleue, clic droit, convertir le zoom au playback. Quand on fait ça, les données ont été enregistrées avec le titre Euro-USD le 22 du 11, c'est-à-dire aujourd'hui, 15h32 jusqu'à 18h32. Maintenant, il est 18h32. Et vous trouvez le fichier Playback dans la barre d'espace de travail. C'est-à-dire, ici, dans Playback, vous avez maintenant Euro-USD qui est là. Vous voyez? Là, vous avez le nom du fichier et vous le retrouvez ici. Donc, il est possible, je vais maintenant éliminer ce EURUSD. Ça, j'élimine aussi. Donc, il est possible pour les contrats CFD, pour les contrats futurs, de télécharger en fait le fichier des tics de ce contrat de manière à rejouer le match. Alors, pour rejouer le match, ce qu'il faut faire, c'est grosso modo, c'est retrouver en fait le fichier playback. Par exemple, dans le cas de l'EURUSD ici, je vais ouvrir ça en grand. Vous avez EURUSD, vous dites par exemple clic droit, modèle d'étude, stratégie, et puis 1 minute break, c'est la première tout en haut. Je la lance. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une bougie, une autre bougie qui se charge, et là, vous avez une sorte de une sorte de télécommande. Donc, si j'appuie sur 60, là, vous voyez, on est maintenant, on est la journée du 22, et on a rajouté, en fait, 60 minutes. Et maintenant, vous voyez, on était à 16h et quelques, on est à 17h et quelques. Et grosso modo, on arrive comme ça à rejouer le match. Alors, si je choisis par exemple de me mettre sur 20 et de faire appliquer et play, alors ce qui se passe, c'est que vous avez le marché qui s'anime. Voilà. En bas, je vais une fois fermé. Vous avez le marché qui s'anime. Vous réglez l'échelle, etc. Et alors, vous pouvez afficher, bien sûr, le carnet avec paper. Là, vous alignez sur le côté. Vous pouvez, bien sûr, appuyer sur le bouton visualiser les exécutions. Et puis, alors, ce qui est important, c'est ce qu'il faut faire, c'est détail, symbole. Il faut donner la bonne valeur. Là, je vois que c'est la bonne valeur. C'est-à-dire, il faut donner la même valeur que vous retrouvez sur le contrat EURUSD. Hein? Donc ici, le tick, c'est le cinquième chiffre après la virgule. Et ça vaut un point, un euro, un dollar, pardon. Et il faut, par exemple, dire, si on prend un contrat mini, il faut dire 10 000. Ou 100 000, donc là c'est 10 000, ça c'est 100 000. Et si maintenant je place par exemple un ordre, alors je peux mettre le mode trade guard, oui, je ferme ici, ça je laisse sur le côté et on vend. Hop, alors il faut pas se mettre trop proche, du coup c'est peut-être intelligent de d'éloigner un petit peu les stops et les objectifs de cette manière-là. Ouais. Là maintenant, on est en position, on est en train de retrader en fait l'euro USD durant la journée du 22, c'est-à-dire, je crois que c'est aujourd'hui. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, on peut dire, voilà, je sors de position, tac, je re-rentre en position, à la hausse par exemple, ouais. Etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je sors de position. Ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais fermer ça. Je vais aller en bas dans
je vais retirer ce symbole pour faire partir la petite vidéo là, c'est-à-dire la télécommande. Et maintenant, j'ai ici en fait une page qui est prête pour vous. Donc ici, j'ai en fait notre fameuse télécommande. Alors, on va regarder un petit peu les réglages qu'on a mis en place. Et là, on est dans la journée du 20. Si vous regardez, ça c'est la journée du 20, on a la nuit. Donc on est en fait lundi. On a notre USD Japanese Yen. Regardons le réglage. Déjà, USD Japanese Yen. Là, on a bien mis 0,0001. On a bien mis 1 en Japanese Yen. Donc tout ça, c'est bien. Donc ça veut dire que le profit ou la perte s'exprime en japonaise yen. Ici, il y a le fameux réglage dont j'ai parlé, c'est-à-dire on se met sur 0,6. Donc voilà. Là, vous voyez, click stop, click target. J'ai mis 5 fois l'ATR de 200 bougies. 200 bougies d'une minute, c'est à peu près 3 heures. 200 divisé par 60. 60 minutes par heure, ça fait dans les 3 heures. On s'est mis sur une taille standard, 100 000. Et grosso modo, on est prêt. Donc ça, si j'appuie sur play, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça me. Alors je vais peut-être mettre ça de côté. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit le marché qui bouge, quoi. Donc on peut avoir un aperçu un peu du marché. Voilà. Et puis bon, il faut un petit peu régler au niveau de l'échelle. Mais grosso modo, on est en situation de pouvoir faire des trades. Alors, je vais un petit peu, je vais un petit peu regarder, hein, on regarde un petit peu, voilà, je vais un petit peu élargir ça. Donc, là, on est avant les fameux 15 heures, donc on est encore dans la période. On va dire en attente de l'ouverture du marché US. Donc, si on veut avancer de 10 minutes, vous voyez ici sur le côté, vous dites par exemple 10 minutes. Tac. Oui. Donc là, vous avez par exemple un beau signal. Hein. Donc, mais on est encore 15h15, le marché n'a pas encore vraiment commencé. Donc, attendons l'ouverture du marché. Chaque bougie d'une minute, ça sont des bougies d'une minute. Comme on a mis x 20, en fait, une minute, c'est 60 secondes. Donc, divisé par 20, ça fait 3 secondes. Donc, chaque bougie, elle met en fait 3 secondes. Et nous, regardons juste l'échelle quand même. On a une échelle ici de 35, 50, 37, donc 0,025. Donc, allez, on va mettre par exemple un peu plus. On va se mettre comme ça. Qu'on ait un petit peu, vous voyez, qu'on ait un petit peu des tendances. Ça baisse, ça monte. Maintenant, le marché commence. Ça, c'est comme l'ouverture du marché US. Ah, vous voyez, ça s'excite tout de suite. Le marché vient. Et je vais mettre ça là au cas où j'ai envie d'arrêter. Le marché vient. Il traverse en fait notre. Alors, je fais une petite pause. Vous voyez, ça, c'est un petit peu typiquement notre signal tel qu'on l'avait vu précédemment, c'est-à-dire un rebond contre le super trend. Là, on est quand même dans un mouvement haussier. Depuis à peu près 1 heure, on est sur du scalp, du 1 minute, hein, donc on ne doit pas regarder vraiment une tendance. Cette tendance ici nous suffit pour apprécier qu'on est dans une tendance haussière. Fond d'écran est vert. Et on est à l'ouverture du marché. On sait que maintenant le marché peut être relativement volatile. Donc là, on pourrait décider de rentrer en position ou pas. D'accord? Donc, on n'a qu'à dire qu'on rentre en position et je mets play. Je rentre au marché, buy. Vous voyez, on est rentré en position. Alors, quand on rentre en position, on a le stop qui se met en position et l'objectif. Donc, ici, en règle générale, ce qu'on pourrait faire, c'est se rapprocher. Et alors, dans ce cas-là, je vais une fois bloquer. On voit que sur le côté, on a des indications. On a des indications de la taille de position qu'on voit aussi ici. Donc, à droite comme à gauche, on voit un peu les mêmes informations.
On voit la taille de la position, on voit le prix d'entrée, on voit le PNL. Alors, il faut toujours penser que on est sur du quelque chose qui vaut dans les 112. Donc, ce 4700, il faut le diviser par 112. Donc, allez, diviser ça par 100. On parle de 45, 46 dollars de PNL, hein, de profits et pertes ou pertes. Je vais continuer de décrire. Le dernier cours, c'est cette valeur. Et maintenant, sur le côté, observez qu'on a le risque. Donc ici, grosso modo, on risque 2200 divisé par à peu près 112, on va dire ça fait 20. On risque 20 dollars. Et puis, on cherche un gain d'environ 80 dollars à peu près, quoi. C'est ça qui se passe ici, quoi. Vous avez le risque qui est ce point d'entrée et mon niveau de stop ici. Et vous avez l'objectif qui est assez grand par rapport à ce risque, d'où le rapport de à peu près 80 par rapport à 20. Vous voyez? Donc maintenant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, on continue. Vous voyez? Et on espère qu'on se fasse toucher. On est à l'entrée au début du marché. Alors, en général, quand on se cale comme ça, il ne faut pas être trop gourmand au début. Il vaut mieux prendre un petit peu un profit. Parce que, vous voyez, c'est pas parce que c'est nous que le marché va juste nous récompenser, quoi. Donc, on laisse, on va voir, on va apprendre ensemble. Donc là, vous voyez, le temps passe, 15h50, le marché, et vous voyez, on était trop gourmand. Vous voyez, donc on est trop gourmand, je fais une pause, on est trop gourmand, donc, le marché, vous voyez, il n'arrête pas de faire depuis quand même un moment. Il fait des hauts et des bas. Mais grosso modo, on est dans l'incertitude un petit peu de l'ouverture du marché. Il a quand même ici rebondi. C'était un beau signal. Seulement, on a été un petit peu gourmand. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, il avait atteint ce niveau. Là, il ne veut pas passer ce niveau. Donc, il y a en fait une résistance. On ne le sait qu'après. Mais on aurait pu, vous voyez, quand on a positionné le stop ici, on aurait pu se dire, allez, on joue soit le même ordre de grandeur, soit peut-être deux fois cette grandeur, et on aurait pu prendre notre profit ici, quoi. Là, on aurait presque eu l'occasion de re-rentrer en position, vous voyez, parce qu'on a ce petit rebond sur ce niveau-là. Et maintenant, on va voir, est-ce qu'on est en train de re-rebondir ici? Donc, si on re-rebondit, on le prend. Ah! Signal. Alors, vous voyez là, j'écarte un petit peu. On a ici typiquement une combinaison de deux signaux. On a le rebond en dehors du super trend qui est en réalité une sorte de support. Et en même temps, on a la bande rouge suivie de la bande verte. Donc, on a au niveau du three line break un signal. Donc, on a deux signaux. Donc, on pourrait tout à fait les prendre. Donc, on va les prendre. On rentre. Bye. On est rentré à ce niveau-là. On est un petit peu haut. Mais il veut aller dans notre sens. Alors, ici, je vais peut-être ralentir. Ouais, je mets sur 10, c'est un petit peu plus lent. Ici, on peut tout à fait travailler un petit peu la position et dire, je veux utiliser ça comme stop suiveur. Hop. Si le marché monte, lui va nous suivre comme un stop suiveur. Maintenant, le marché, il ne monte pas, justement. Il revient vers notre niveau. Donc, là, ce qu'on pourrait dire, c'est, ouais, rebondir un petit peu. On est en position, on gagne à peu près une dizaine d'euros, enfin une dizaine de, excusez-moi, de dollars. Il faut à peu près diviser cette somme-là qu'on voit ici, 1700. Il faut diviser ça. Alors là, le marché est un peu chaud. Vous voyez notre stop, comme il s'est bien déplacé. Ouais. Donc là, peut-être notre objectif de nouveau est un peu trop lointain. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là? 4006. Là, on gagne pratiquement plus rien. Donc, ouais. On risque de reperdre. Regardons un petit peu. Ah, et on a reperdu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait deux trades où deux fois on avait la possibilité de prendre, mais on n'a pas pris.
Donc, il faut qu'on retienne un petit peu la leçon. Et je dirais, on est de nouveau en situation de rebond. Chaque fois, ce marché rebondit ici. Donc, on va peut-être attendre un petit peu. Si ce marché reprend un petit peu vers le haut, on va le prendre. Je vais écarter un peu qu'on voit un petit peu mieux. Là, il a l'air de prendre. Donc, on va rentrer. On achète. Notre stop, on ne veut pas le coller trop près, vous voyez. On va le mettre là. Et on va un peu baisser notre objectif parce que chaque fois, on s'est fait avoir avant. Parce que chaque fois, on était trop gourmand. On positionne son graphique. Vous voyez. Et grosso modo, est-ce qu'on va être touché ou pas? On pourrait tout simplement dire qu'on clôture. Hein? On n'a pas touché. On clôture. Voilà. Comme ça, on a un petit peu capturé quelque chose. Et on attend le prochain signal. Pour qu'il y ait un prochain signal, soit il faut que ce marché revienne un petit peu dans cette zone-là, soit éventuellement il casse vers le haut et on se dit, allez, on y va, le mouvement, il va y avoir un mouvement. Mais la plupart du temps, notamment avec un chemin comme ça de marché qui est un petit peu dans un range. On est à peine en train de briser un petit peu le haut de ce range. Mais bon, on est quand même en mouvement à la hausse depuis, on va dire, depuis 2 heures, depuis 2 heures de l'après-midi. Donc, là, on a fait deux pertes, on a fait un gain. Donc, on doit être proche de perdre peu ou de. Alors, moi, j'avais un petit peu fait des trades avant, c'est pour ça qu'en cumulé, on est encore en positif. Donc, on essaie de trouver des opportunités. Alors, il faut être patient. Il ne faut pas s'énerver. Il faut être patient. Le temps passe, 16h36. Donc, qu'est-ce qu'on aime bien voir? On aime bien voir un beau signal, par exemple, de rebond sur le super trend. Transpercer, ressortir. Ou tout simplement un signal un petit peu comme celui-ci. Hein? Bon, maintenant, je n'ai pas été très nerveux. Donc. Et on est un petit peu haut, on est presque au plus haut là. Donc, ne soyons pas trop gourmands. Marché un petit peu latéral hein, depuis un moment. N'oubliez pas que chaque bougie, ça représente 10 minutes. Quand il n'y a pas de signaux, il vaut mieux rien faire. Sinon, on se retrouve avec des positions et après, on ne sait pas gérer, s'en sortir, on perd bêtement. Donc, ça, c'est comme 16h48. Ah, là, ça peut être intéressant si le marché vient un petit peu buter ici. Alors, on peut aussi travailler avec les outils de la nano, c'est-à-dire on pourrait aussi dire, je me positionne ici, voyez, et pour essayer de chercher un petit peu le. Alors, ah, là quand même, ouais, là quand même, ça nous intéresse quand même ce rebond. On re-rentre. On aime ce genre de situation, voyez. Donc là, on va ajuster. On ne veut pas prendre trop de risques, mais alors on doit quand même baisser ici au niveau de l'objectif. Il ne faut pas être trop gourmand et on essaie en fait de faire des trades gagnants quoi. Donc là on peut par exemple se positionner voilà de manière à ce que on ait le stop suiveur et là en espérant ah on est touché tant mieux pour nous donc on a fait deux trades gagnants maintenant donc vous voyez un petit peu le schéma alors regardons juste quelle heure il est 18h50 ah il faut bientôt on termine la présentation. Donc, je vais arrêter là. Je mets sur pause. Si on veut avancer avec ce contrôleur, eh bien on appuie 60, 60, 60. Quand on arrive au bout, en fait, on peut appuyer sur un bouton qui s'appelle reload, c'est-à-dire recharger, et on recommence on peut recharger toutes les données et recommencer. Alors, je vais maintenant glisser la plateforme de côté. Donc, ça, c'était un petit peu une illustration de ce qu'on peut faire avec ce concept d'entraînement. Alors,
un petit détail technique, c'est si vous voulez avoir un petit peu plus de tic, 2, 3 jours de tic, dans ce cas-là, il faut quand même que vous alliez sur le store, c'est-à-dire dans la nano, vous avez en haut le store, c'est-à-dire le magasin, vous allez dedans, vous mettez votre nom d'utilisateur, là-haut, vous dites, voilà, je veux l'USD Japanese Yen, activé gratuitement, et puis fermez votre plateforme, relancez votre plateforme. Au début de, à l'ouverture, il chargera les données, et après, vous les aurez toujours sur votre PC. Et grosso modo, vous aurez toujours un peu plus de tics que le client qui ne fait pas ça. Et ça vous permet en fait de vous constituer une bibliothèque. Donc, si vous avez l'habitude de trader tel ou tel contrat, vous pouvez, à raison d'être, à condition d'être discipliné, vous chargez ça régulièrement 2 fois par semaine. Vous avez une bibliothèque, vous pouvez rejouer vos contrats préférés toute l'année et vous pouvez réellement travailler sur sur l'application de la stratégie. Parce que la stratégie, elle n'a pas plus de secret que ça. 4 types de signaux, un guide, le super train, et après, c'est une question on va dire de pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis, vous avez votre propre instinct qui se développe et vos propres compétences, tout simplement. Hein. Il faut bien sûr avoir le respect du risque, etc. Mais grosso modo, vous pouvez tout à fait vous améliorer, tout simplement, comme je le fais moi-même. Moi, je fais ça de plus en plus, depuis maintenant le début de l'année, parce que je l'ai fait déjà 6-7 fois en live, dans des séances live, par exemple à Paris ou en d'autres circonstances. Bien sûr, on ne peut pas toujours travailler qu'avec un seul contrat. Donc, on peut être tenté de mettre plusieurs contrats. Et dans ce cas-là, on active en fait on active dans ce cas-là, à ce niveau-là, on active, on tape par exemple 20 ici. Et ça, ce qui va se passer, c'est que on se met ici sur, par exemple, message. Et dans ce cas, on va recevoir des messages. Donc, dès qu'on a un signal, eh ben, le message apparaît. Et donc, ça, c'est pour gérer en fait plusieurs instruments. Donc, la stratégie sur plusieurs instruments à la fois, par exemple, 6 instruments, 3 Forex, un pétrole, un DAX, un Dow Jones. Et vous pouvez gérer comme ça 6 instruments. Et quand vous avez un signal, soit de continuation, soit de retournement, vous avez en fait ça qui se présente. Et vous réagissez, vous allez directement sur le contrat en question et vous dites OK, j'y vais pas. Alors vous serez pas, vous n'avez pas dans ce cas-là ce phénomène de rapidité ici, comme dans le cadre du playback en accéléré, parce que vous êtes dans ce cas-là en temps réel. Mais franchement, c'est super et ça fait de vous un très très bon scalper, quoi. Donc c'est une affaire de travail et voilà, on va dire la façon de faire. La stratégie plus le concept du playback. Alors, j'ai terminé la présentation. Je vais conclure. Donc, ça, c'est en quelques informations sur l'outil de contrôle. OK. Passons ça. N'oubliez pas d'entrer les valeurs d'éthique, etc. Ça, je l'ai mentionné. Vous le retrouverez sur la vidéo. Et grosso modo, conclusion pour les. Ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients chez nous. La conclusion, c'est ouvrir un compte, devenez client. Pourquoi? Ben, parce que vous avez avec notre société un vrai partenaire qui met à votre disposition une plateforme extrêmement puissante, la NanoTrader, qui est totalement adaptée pour du scalping, du day trading, du swing trading. Récemment, vous avez vu qu'on a fait des présentations sur les screeners. C'était, je crois, il y a 2 semaines. Les screeners, c'est une porte d'entrée pour faire du swing trading, par exemple. Et du day trading, on va en faire beaucoup plus de ce genre on va dire de swing trade, de day trade en 2018. Beaucoup plus de screeners seront intégrés dans la plateforme gratuitement.
Et vous avez un grand choix de stratégies, de signaux, etc. Et bien sûr, chose très importante, des très bonnes exécutions aussi, que je n'ai pas mentionné ici, et les formations comme celle-ci, finissent en tant que vidéo sur notre chaîne YouTube et qui vous aident concrètement à maîtriser la plateforme et aussi à appliquer des stratégies tout simplement qui fonctionnent pas mal, quoi. Et notamment si vous travaillez pour vous améliorer et pour maîtriser la situation. Parce que bien entendu, quand vous travaillez avec le playback, vous êtes sur un compte de simulation, dans le compte Paper, et donc vous n'avez pas de risque réel, donc c'est juste de l'émotion et de l'entraînement. L'entraînement, c'est bon, c'est comme en sport, il n'y a que ça pour devenir bon. Et donc, conclusion, devenez client, rejoignez-nous, rejoignez tous nos autres clients et faites-vous plaisir en trading. Voilà, j'ai terminé la présentation. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement. Voilà qui est fait.